Et salut les amis! Allez, on se retrouve aujourd'hui, c'est la reprise de la reprise. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous avez vu que la semaine dernière, celle d'avant, j'ai eu le Covid, donc j'ai pas pu aller rouler dimanche. C'est très bien passé, hein, pas eu de symptômes, rien. Comme une lettre à la poste. Et aujourd'hui, on part direct de la maison, à tomber de la nuit. On va rejoindre les copains au pied du Fenouiller. Par contre, on va faire un tour, je pense, un petit peu optimiste, à partir à Castille, Navarre, Pierrefeu, les Borelles, Châteaudière et revenir par le Fenouiller. Ça va faire un truc autour de 50-55 km/h. Et il me semble que ça va faire beaucoup. Mais bon, on verra bien, sans pression. Comme d'habitude, on va faire deux groupes. Un qui roule moins bien, moins vite surtout. Et puis on verra jusqu'où on arrive. Allez, c'est parti! Température négative, je suis en intempérie là, je rentre à la maison du coup. Voilà, ils sont tous là. Et il n'y a plus qu'à commencer. Sur le. Qu'est-ce qu'il y a, un Serbe? Qu'est-ce qu'il y a, un Serbe? Il a froid! Je vais rentrer. Je me pèle. La petite mouton sur la neige. Pas beau? La caméra, elle est jolie, sans déconner. Allez, on est parti là dans la montée. Mais ça crache dur là. Oh con. Allez, on s'accroche. On est toujours dedans. Les copains, ils sont loin devant. Du mal à avoir mon souffle. Mais on s'accroche toujours. Bon, on se retrouve en haut. Je vous passe ça en vidéo parce que ça va être une boucherie. On va essayer de la faire, mais c'est pas gagné. C'est pas gagné. Bon, ben, j'ai mis pied à terre. J'en profite pour vous montrer un petit peu le panorama. Ça va, que là, c'est dur. Allez, ça devrait descendre parce que ça va donner. Je suis éreinté. Ah ouais, ça descend vachement. Mais alors pas à l'aise du tout. Allez, c'est bon, va t'y coucher, c'est même pas la peine, j'arrive pas. Oh con, c'est pas possible toi. Oh. Oh, j'arrive pas. Je me chie dessus. C'est pas possible. Oh, dégoûté. Oh, j'y arrive pas. Je me chie dessus. Lâche. Allez, c'est un carnage en descente. Encore pire qu'en montée, quoi. Je suis pas à l'aise. Mais c'est impressionnant. On dirait que j'ai jamais fait de vélo. En face en plus.
je vois que dalle. Ça va peut-être me décoincer comme ça. Non, rien y voir. C'est bien ça là aussi. Faut vite que je reprenne un petit peu les marquets sur le vélo. Sans déconner. Parce que celle-là, elle est géniale. Celle-là aussi elle est sympa, mais à voir si je vais être à la hauteur ou pas. Oh putain, c'est catastrophique. Putain. Je me fais brasser comme... C'est pas moi qui pilote là, c'est le vélo. Ah, c'est bon quand même, ça le fait. Ah, c'était bien ça. Oh, elle est géniale. Ouf. Et le petit pas. Ouf. Ouf, ouf. Oh, elle était géniale ça là. Elle était bien bien bonne. Bon, c'était pas ça, mais quand même pris du plaisir. Elle était bien bonne ça là. Un régal, faut que ça revienne. On peut prendre du plaisir autrement. Bon les amis. Là, ça va être mon petit chemin de croix. Ça va monter pendant un long moment. Bon, sur DFCI, donc du coup, ça sera peut-être un petit peu plus régulier que les montées qu'on a eu avant. Peut-être un petit peu moins cardio. On va essayer de s'économiser. Mais perso, ça va pas. J'ai la nausée, ça me monte tellement que j'ai forcé. Là, je suis à la limite du vertige. Dur, dur aujourd'hui. Bon, les copains qui sont revenus me chercher là, je suis en PLS derrière. Ils sont gentils quand même. Ils m'abandonnent pas même si j'avance pas. Ils viennent prendre soin de moi, me motiver. Et c'est comme ça qu'on avance en plus. Ça fait du bien. Bon, c'est pas fini en tous les cas. Ça va encore monter sévère pendant un moment. Enfin voilà, c'est pas fini. Vous êtes fatigué que vous faites une pause, hein? Des retardataires, moi j'avais pas vu. Derrière en tout cas, il n'y en avait pas. Hein. Tu vas le débloquer ton putain de train. Ah je sais pas, ouais, là, il faudra regarder le vélo, à mon avis, il a un souci. Allez les amis, on est arrivé au bout de cette longue montée. Maintenant, il ne reste plus qu'à voir avec les copains ce qu'on fait. Il faut remonter à la piste du Vieux, la redescendre, prendre la route.
Alors ça réfléchit là, ça réfléchit. Si on descend par la piste du Viet, à mon avis, à 11h, 11h moins... 11h en voiture. Si on continue tout droit, je pense que t'en as pour une bonne heure encore... Une bonne heure pour la montée déjà. Enfin, pour aller jusqu'au... Je sais pas. Jusqu'au pied de la montée. Non, pour aller jusqu'en haut de la montée. Moi, ça me dit, c'est là qui va faire le... Ah, et du coup, on va essayer de la faire... J'ai pas coupé. On va se faire du mal jusqu'au bout. On va essayer de la faire entière à mon rythme. Et puis ça aurait été con de rater ces belles petites descentes. Enfin, là je suis euphorique, mais quand on va avoir fini ça, la prochaine montée, de suite, je serai moins content. C'est pas grave. Mais ça aurait été con de rater, non? Franchement. Qu'est-ce que c'est ce bruit? Ça fait un sale bruit. Alors là, faut faire gaffe. Hop, hop, voilà. C'est juste la petite particularité qu'il y a dans cette descente. Et après. Oh, ça a ravigné là. Encore. Tiens, on est quand même chanceux d'avoir ce terrain de jaune ici dans le sud. Franchement. Je le dis qu'on est privilégié. Personne ne me croit. Ça glisse par contre. Hein. La mousse verte au nord, c'est pas tout noir. Faut faire gaffe. On ne peut pas aller super vite, enfin du moins moi, parce que il y a des furieux qui y arrivent. Ça glisse. Oh. Quand même approximatif encore aujourd'hui. Oh, encore une bonne putain de descente. Et voilà, le bonheur est fini. Place maintenant dans quelques instants au calvaire de la montée. Allez, ça y est les gars. On est, comme on pourrait dire, au pied du mur, dans tous les sens du terme. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à s'accrocher. On est à 35 km, pratiquement 600 mètres de dénivelé. Et je crois qu'il en reste... bien 300 à faire pour atteindre la dernière descente, bien sûr. Et bien on se retrouve peut-être en haut ou à l'hôpital, on verra bien. Bon, dans mon malheur, il y a quand même de la chance, la vue elle aurait pu être un peu plus dégueu. Ça aide, on continue. Bon ben c'est fait, hein. On y est, on l'a fait, il reste plus que les montées pour aller sur le Fenouillet maintenant. Et on arrive sur le château d'Hyères. Il n'y a plus qu'à basculer côté Fenouillet maintenant. Allez, petite braille tranquille là, bien sympa, avant de se prendre les derniers tronçons de montée et la dernière descente. On en profite, on se refait un peu là-dedans. Ouh. Allez, on y est sur la dernière bout de descente. J'ai chanté là, j'ai pas fait de départ, je me sentais plus de monter. J'ai le bras, j'ai du mal à tenir le vélo. Je pense que ça va être folklorique là. Je suis
fatigué là, c'est vraiment, je sais même pas comment j'ai fait cette sortie, franchement. Au mental, mais je sais même pas, je suis super fier. Super fier, là c'est le coup de ne pas se faire mal, parce que là c'est, je suis vraiment dans mes retranchements. Mais pas. Fierté terrible. Bon, après il va falloir encore rentrer à la maison. Bon, je suis désolé, ça sera peut-être pas la meilleure vidéo que j'ai sortie, parce qu'avec la fatigue c'est compliqué d'arriver à filmer tout le monde, et même vous voyez qu'en descente ça va pas aussi vite, mais en tout cas elle est faite avec le cœur. Je me suis donné. Ah tu vois, j'ai le bras, j'ai du mal à le tenir le guidon, c'est impressionnant. C'est là que tu vois qu'en VTT, il n'y a pas que les cuisses, hein. Il y a le dos, le gainage, les bras. C'est, si t'as pas tout de musclé, c'est mort. Hein. Bien, c'est là. J'essaie de me donner quand même. Hein. Oh, je commence à avoir des crampes dans la cuisse, dans les mollets là. Ah, je croyais qu'ils étaient avec nous, donc du coup j'ai pas attendu les copains, merde. Je croyais que c'était les copains qui descendaient. Merci. Ouais, bonjour. Oh, bonjour. Non, ils sont loin. Ouais, je fais attention au chien. Et après, on est bon. Ouais, j'espère que les copains ne vont pas m'attendre. J'espère. Je croyais que c'était eux. Quand j'ai entendu les sonnettes, j'ai dit putain, je suis pas monté assez vite. Bon, pour finir, celle-là, elle est pas sympa. Reste à pas faire de faux pas. Allez, c'est presque fini. La délivrance est pas loin. Enfin, après, il faut rentrer jusqu'à la maison encore. Hein. Mais déjà, c'est pas mal. Oh, c'était bon. Oh là 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 là. Une super sortie. Bon, mais sortie terminée. Franchement, je pensais pas la faire. Je pensais vraiment pas la faire, je sais même pas comment je me suis accroché pour la faire, mais par contre une fierté impressionnante. Je suis vraiment content de moi et ça décrase un petit peu le bonhomme. Alors je sais pas si je ferai ça chaque dimanche, mais là j'ai réussi à tenir et franchement j'aurais pas misé un copec sur moi. Belle descente, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis moi je vous dis à dimanche prochain, parce que maintenant on va être assidus. Ciao les amis.